Hugo, bah échappe. Allons-y. Gaiement. Peut-être là. Ah, c'était pas prévu. Un holocron miniature, c'est mignon. Ah, ils l'ont bien fait, jeune l'acteur. J'imagine qu'il a dû leur filer des photos, mais... Attends. Mais oui. Et j'étais en train de me dire, on était dans un truc impérial, mais non, c'était les clones. Salut, mec. On fait la revanche plus tard. Ouais, avec plaisir. La revanche de quoi? Tu pars t'entraîner? Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. La revanche des Sith. Salut. À la prochaine. C'est vrai qu'il faut pas oublier que avant l'ordre 66, beaucoup de Jedi s'étaient énormément rapprochés des clones. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. Tu vas avoir l'ordre 66. Pas vraiment du genre patient, tu sais. Est-ce mais je veux parler. Possible. Lui fait pas de fausse joie. C'est rien que des rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître. Ouais, il faut que je file. Tu ferais mieux d'y aller, Cal. Ok, ben je me casse. T'as l'air bien pressé. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Yeah. C'est ça le plus dur. Dans l'ordre 66, c'est ça que j'aime bien, surtout dans l'anime, dans les animations qu'ils ont fait ensuite. Genre la guerre des clones et... Rebelle, Star Wars Rebelle. C'est qu'il y a tout l'aspect... Et on le voit d'ailleurs dans l'épisode 3. Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, vraiment, les Jedi étaient proches des clones. Ne traîne pas. Enfin, beaucoup de Jedi étaient proches des clones. C'est ce qui rend toute la trahison difficile aussi. Par contre, je crois qu'il y a certains clones qui ont été... Qui n'ont pas suivi les ordres. Tu finiras par apprendre la leçon du jour, d'une façon ou d'une autre. Ok. Essaie encore. Faut que j'aille là. Planifie tes actions avant de t'engager. Tue-toi, Cal. Non. Réussite ou échec, vie ou mort, lumière ou ténèbres, ce qui les sépare est ton état d'esprit. C'est beau ce que tu me dis. Ne me fais pas attendre. Je fais ce que je veux. Je peux pas attirer à moi. Je comprends pas là. Moi je veux bien mec hein, mais il y a rien avec lequel je peux interagir. Je crois que tu n'es pas pressé d'accomplir l'exercice. Bah non, écoute, parce que je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne peux pas marcher sur. Moi je veux bien. Je dois être pas bête. Ah, parce qu'il fallait que je m'accroche à ça. Oh mon dieu, sérieusement. C'est pas clair, hein. Alors, les développeurs, hein. Habituellement, on laisse des marques. Ok, allez, lâche. D'accord. Ça fait quoi ça? Boing. Hop, hop, hop. Ouh, c'était juste. C'était trop juste. Beaucoup trop juste. C'était donc mon dernier entraînement avec... Oh. C'est un coup bas, commandant. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. C'est bon? Je suis passé. Quel salaud. Nous t'as failli me tuer. Par ta préparation physique. Mais d'abord... Nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial. Il faut... Oh oh. Mais... Est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Est-ce qui... Peut-être non, l'ordre non. Que t'as entendu hier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Padawan. Va au module de sauvetage. Par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné.
Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. C'est pas évident pour un enfant, quand même. Allez. Va-t'en. Merci, maître. À la prochaine. Le voilà. Abattez-le. Non, stop. Je suis votre ami, les gars. Arrêtez. Oh, ah merde, c'est fermé. Oh la vache. C'est dur quand même pour un enfant. Hein. T'as pas le prendre la fuite. Il nous faut des renforts. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a pas un là visiblement qui l'ait aidé. Je dois tirer ça pour passer. Ah, tirer. Ok. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Trahison. Et encore, t'étais pas à Coruscant. T'as pas subi Anakin. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Oula, oula, oula. Pourquoi ça fait ça? L'herbe est encore arrêtée. Hey, c'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. C'est rien du tout, les mecs. On essuie des pertes. Ce n'est pas le droïde que vous recherchez. Tirez à vue. Bien sûr. Allez, saute, saute, saute. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi? C'est Palpatine. Ouais, bah dis donc, les couloirs de maintenance sont énormes. Je pense qu'on va avoir, on va assister à la mort de Maître Tapal par l'un des inquisiteurs, je pense. Ou peut-être même par Dark Vador. Enfin, par Anakin. À ce moment-là, je pense qu'il n'était pas encore... je crois que quand il fait l'exécution de 66, il n'est pas encore Vador. Est-ce qu'ils vont nous montrer du coup Anakin? Ce serait trop classe. Ce serait trop bien. Hop 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 hop. Pas très sympa ça les mecs. Attends, par où? Là. Je vais y arriver. Wow. Il faut pas que je m'arrête. C'est quoi qui a pété? Descends-le. On se casse pas après. Je suis votre ami. Ah. Sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Plus de sabre. Comment je vais faire pour envoyer les tirs? Heureusement que j'ai un entraînement. Oh. Oh yo, c'est la merde. Oh là, faut pas que je traîne. Je suis sûr que les trucs vont tomber à un moment donné ou à un autre. Hop là. Ok, hop là, j'ai dit. L'entraînement, hein. Ouf. Trop juste. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Ici? Ah oui, dans la fente. Glissade. Wow. Ça c'est classe. Ça c'est un beau gosse. Commande manuelle est juste là. Moi, il y a un truc que j'aime vraiment pas. Oui, maître. J'aime vraiment pas du coup les Jedi de cette époque-là, parce que c'est vraiment trop moine, genre tu ne dois pas avoir de femme, tu ne dois pas avoir de sentiments. Ils sont trop insensibles. Wick, c'est ta mort. C'est quoi cette animation molle du cul? Nous devons partir. Le mec il se balade comme ça. Pop, 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 pop. Ils sont à 2 mètres, les gars, ils arrivent même pas à le toucher. C'est pour faire la blague, les Stormtroopers savent pas tirer. Les commandes de la porte. Inquisiteur, bientôt. Ah, bah non, ils sont pas encore là, je suis idiot. Normalement, si on veut que ce soit logique. Wow. Non.
J'ai surchargé les réacteurs du vaisseau. C'est ça de vouloir faire le beau gosse et de mâcher quand il y a des ennemis. Cette guerre n'est pas finie, mon padawan. Reste à l'écoute. Attends. Oui, j'écoute. Du conseil Jedi. N'oublie pas. N'accorde ta confiance qu'à la force. Oui, maître. Même pas aux autres Jedi? Et du coup... Wow. Pourquoi ça a explosé là? Mais du coup ça a du sens qu'il soit pas tué par un inquisiteur ou autre, puisqu'à l'époque il n'y avait normalement, en tout cas, que Vador, enfin que Anakin, du côté de Palpatine. C'est que après qu'il a recruté les inquisiteurs et donc les Jedi. Ah, je suis tombé dans les... Je vais m'affronter moi-même. Si ça suit la logique des épreuves Jedi... Padawan. Ah, ou pas? Il est l'heure de commencer la leçon. Oh oh. Bonjour monsieur. Coucou. Viens, viens. Tu t'es fait buter par des Stormtroopers, alors c'est pas le moment de faire le malin. M'a laissé mourir, Padawan. Ouais, c'est ça, il affronte son regret. Non. Tu es faible. Tu manques de discipline. Ah ouais. En attendant, moi j'ai niqué une inquisitrice. Rompre ton lien avec la force. Oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse. Tu es un traître. L'appel du côté obscur. Tu n'es pas un Jedi. Non. Ok, je venais de le réparer, fais chier. Plus rien. Plusieurs entrées, l'ordre 66 est traumatisé par les monstruosités, ouais c'est ça. Ouais, c'est... Normal. Qui ne serait pas traumatisé? M'aider? Merci. Allons, allons-nous-en d'ici. Attendez. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Je peux même pas utiliser le sabre? Je suis en train d'essayer de cliquer. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Darren Malikos. Je fus un Jedi. Inconnu au bataillon. Comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Or, nous avons survécu à la purge. Et t'es devenu fou, c'est ça? Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cet... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. J'ai pas l'air. Ça a pas l'air, en tout cas. Le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force... est la plus puissante des alliés. Je crois que t'as vous plongé... Vous servez la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... C'est ça, c'est côté obscur. C'est l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Intéressant le personnage, en tout cas. Qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose, là-bas? Pas vrai? Quelque chose d'horrible. D'Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir.
Côté obscur. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière. Le pouvoir. C'est donc pour ça qu'elle m'a attaqué. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. C'est quoi ce truc ? Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entouré de leurs tombeaux. Oh. Oh punaise. Qu'on parte. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Charmant. J'ai plus de ça, moi. Idiot. Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler. Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes. Mais qu'est-ce que tu fumes, ma grande? Tu vois bien que je suis pas avec lui. Tu viens de le dire, en plus. Qu'est-ce que... What the fuck? Ah, on est tombé sur un personnage stupide encore. Oh, oh là. Salut les filles. Oui, bien sûr. Tout à fait. J'ai esquivé, mais c'est pas grave. Hop là, raté. Atteindre, atteindre, atteindre. Ah oui, elle a fait éclore tout le monde, quoi. Go, 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 go. Hit. Punaise. Ah oui, puis les grosses bestioles aussi. Oh. Serré, serré, dites à Chris de démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Salut les filles. De la nuit, elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Des morts, mais qui sont vivants? Capitaine, c'est ah bah, j'ai pas le choix là, hein, mon gars. Je n'ai pas le choix. Il faut que je fuis. Dégage. Wow, 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 wow. Non, 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 non. Vite, 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 vite. Oh merde, il y en a une encore. Boum. J'ai eu chaud. Sors-nous de là, Gris. Et on a laissé l'autre fou ici aussi. Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord. Décolle. Ok, bon bah tout ça pour rien, génial. J'ai affronté la mort et l'obscurité pour rien. Tu as trouvé le tombeau? Ouais, mais il y avait rien. Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai... Je l'ai bien modifié, hein. J'ai fait, je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux. Tout et à si fait. J'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé. Quand j'ai échappé à l'Empire. Est-ce qu'un jour on aura un personnage qui se... Trilla est entré dans la pièce. Morfond pas dans le fait d'avoir pas pu sauver quelqu'un. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé. Dans le côté obscur. Côté obscur. Ouais, ouais, on sait. On nous a spoilé en fait. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir.
Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Et marche. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. D'autant que c'est un peu insulté la mémoire de ton maître de dire que tu n'as pas pu le sauver. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Ça voudrait dire que limite t'étais plus puissant que lui à l'époque, toi enfant, Padawan, que ton propre maître. Nouvelle donnée, quête l'ombre du maître. Illum. Attends, c'est une planète. C'est une nouvelle planète ? Cal. C'est pour reforger le... Ça ne sera pas facile. Le sabre. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Ce que j'avais dit. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur. Même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Tu donnes pas un bon exemple, hein. C'est pas pour te... pour dénigrer ce que tu dis, mais... Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Eh bien, Cal, allons-y. Ok, du coup, je n'ai plus de... Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Comme tu le sais, de nombreux Jedi sont venus sur Illum chercher leur cristal Kyber. C'est ça, ok. Maître Yoda nous a guidés jusqu'à l'entrée, mais après ça, c'était l'inconnu. J'avais l'habitude de m'en sortir seul, mais ça a quand même été une grande épreuve. On m'avait formé selon des protocoles stricts. J'étais paré à tout. En théorie. C'était peut-être ça, la leçon. On ne peut pas tout savoir. On ne peut qu'espérer être capable de faire face à n'importe quel défi. Donc j'avais raison. Donc on a bien, en tant que... On n'était pas Dawan. On n'a jamais été Jedi, vraiment. Et jusqu'à maintenant, on a subi les épreuves pour être un Jedi. Les épreuves par la Force. Enfin, de la Force pour être Jedi. C'est le Temple Jedi. Ok. Ça fait longtemps, mais... Oui. Explorer le temple Jedi. Là, il y en a un autre, il y a un passage. Venez ici. Du temps des Jedi. Est-ce que c'est loin? Non. Temple Jedi. Wow. Eh ben, c'est pas à côté des destinations. On paraît qu'ils vont nous faire une référence de Hoth avec une créature qui va vouloir nous choper. Genre un Yeti. Par là. Est-ce que je dois grimper? C'est dommage qu'ils partent sur les personnages clichés de « Oh là là, je m'en veux parce que mon maître, j'ai pas pu le sauver. J'étais qu'un enfant, Padawan, mais j'ai pas fait la paix avec ça. » Ça, c'est un thème... Je comprends que c'est un thème qui reste classique, on va dire... Il y a dire, un passage de ce côté. Oui, bah j'ai vu. Je fais attention à la glace. Qui reste classique parmi les constructions de personnages. Mais c'est vrai que... Je veux dire... Quand t'as joué longtemps comme moi et que t'as vu plein d'histoires, au bout d'un moment, c'est pas rafraîchissant quoi. T'es tout le temps sur les mêmes principes, les mêmes personnages un peu. Ah putain, je suis con. La fente. Les fentes sont vraiment pas évidentes à repérer, je trouve, sur le jeu. Je m'étais déjà paumé sur Datomir comme ça, quelques fois.
Examiner ? Où ça ? Où ça examiner ? J'avais un truc qui... Ah, j'ai là. Jamais vu un blizzard pareil. La tempête, le temple. J'ai comme l'impression que tout est lié. C'est un blizzard de force. Ah, ça va, je pense, beaucoup de plateformes. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de nous mettre un ennemi à la fin quand on aura récupéré le... Oh, oh. Oh, attention, attention. Quand on va avoir récupéré le sabre laser. Foubidou. Ah, Foubidou. Salle de collecte se trouve à l'entrée des cavernes de cristal utilisées comme lieu de réunion pour les maîtres Jedi et rassembler les novices qui y recevaient les instructions et méditaient avant de lancer dans la recherche des cristaux Kyber. Et où est-ce qu'elle est la zone de méditation? Je vois rien moi. Ouais, c'était vraiment beau avant. Bah, c'est toujours. Fait du bien. C'est toujours beau. Il me manquait un truc. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force. Avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. D'accord, c'est une épreuve pour te... pour que les Jedi ils savent comment... Attends. Je peux lâcher ça. Pourquoi il a bougé le... non. Vas-y, prends. Pour qu'ils apprennent à utiliser leur pouvoir. Par contre, je dois pouvoir le caler quelque part. Où est-ce que je peux le caler, ce truc? À moins... Allez, prends. Il faut que j'arrive à bouger le cristal. Ça y est, j'ai pigé. Évidemment, il faut que je fasse ça. Comme ça, ça reste ouvert. Et là, je fais... Ch'touing. D'accord, j'ai dit ch'touing. Et là... La puissance. Non, non, non. Pourquoi tu décales? Voilà, nickel. Ensuite, on fait ceci. Ch'touing. C'était un peu juste. Voilà, maintenant, toi, je t'accroche là. Et je pense que normalement, si je te laisse là, possiblement que ça marche. Je sais pas si je dois le repousser ou pas. Ah, évidemment, évidemment. T'étais sûr. Boum. Le temps de faire fonctionner le cerveau d'une arme. Et voilà, la puissance. Donnez-moi la puissance. C'est good? Je peux lâcher? Je peux lâcher, cool. Ouh, et je vois une zone de méditation. Ah! Et surf? Non, on peut pas surfer. Ce qui veut dire que il va y avoir de la mort. Bon. Reposer, oui. Ah, j'ai deux points. J'ai deux points, donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à chaque esquive de précision, ralentir brièvement les ennemis, ça peut être intéressant. Ça me permet de récupérer. Augmenter le niveau de santé, de force, dans l'effet. Ouais. Plusieurs ennemis. Ça peut être bien ça aussi. Bon, sachant qu'on arrive à la fin, je suis pas certain de l'utilité. Je pense que ça c'est mieux. D'accord, par contre, esquive de précision, ça veut dire juste la petite esquive. Je suis pas entraîné à la faire celle-là. Je suis entraîné à faire les roulades. Je sais pas si ça va marcher pour les roulades aussi. Mais du coup, c'est vraiment court le ralentissement. Oulala, attention, il y a de la chaleur. Je prends des dégâts quand je vais dessus? Apparemment non. Oubidou. Geyser, qu'est-ce qu'un geyser? Oh, là, il y a un truc. Il y a une petite loot. Et là-bas, il y a autre chose.
loot. Avec le secouage mystérieux du loot. Apparence pour BD1, Tibana. Mais c'est mignon, Tibana. On va regarder ce que c'est. Tibana, voyons voir. Va savoir pourquoi il y a une cosmétique pour le robot en plein milieu de la nature, mais bon. Tibana, c'est quoi? Tibana. Tibana, voilà. Ah oui, comme ça il est aux couleurs locales. Moi mon pochon tenue. Pister. Oh, Pister, ça a l'air pas mal. Ah non, ouais, vas-y, on va laisser comme ça. Ah. Écho. Chaque voix est différente, jeune fille. Ne cède pas à la colère. Uba Niba. Ne cède pas à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène au côté obscur de la force. Selon les voix sages et profondes de Maître Yoda. J'adore ces moments de glissade, c'est fun. C'est prêt. Un peu trop près à mon goût. Son appel s'intensifie. Dépêchons. Oui, bah si tu t'arrêtais toutes les deux, si t'arrêtais pas toutes les deux secondes. Il y a quelque chose en dessous. YOLO! YOLO Bobo. Non. Merde, ça passe pas. Je suppose que je ne dois pas pouvoir passer par là. Examiner. Qu'est-ce que c'est encore examiner? J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. C'est un peu le cas. Ça va pas trop. Arrête le mélodrame hein, là. Ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Ah ouais. Merci BD. Appuie sur le frein là pour le mélodrame. On a autre chose là-bas. Au bout d'un moment, on va croire quand même que les Jedi c'est un peu tous des. C'est eux. Comment ils nous ont trouvés? Bonjour. Non, je pense que ce sont pas eux. Boum. Je pense que c'est juste une épreuve encore. Je pense que c'est la peur qui te fait voir des choses, mon enfant. Le cristal doit être par là, mais je préférerais d'abord aller voir les... différents... J'arrive à aller encore plus haut. Encore plus haut. Est-ce que je peux aller... Non, on peut pas aller au-dessus. Je pense qu'il faut que je fasse le tour. C'est bon. Par où? Par là. Ne tombe pas. Ne craque pas. Wow. Putain la vache. Là par contre la caméra elle est très mal foutue. Ok, c'est bon. Par contre pour celui qui est en bas, je sais pas comment je vais faire. Puissance. Où est-ce que tu l'as perdu de vue? Novice perdu. Ok. Donc là ici, touk. Oh mais c'est pas possible, vous pouvez pas me lâcher les mecs. Ah non, pas Foubidou. Ah parce qu'il y a un truc à pirater, on s'en fout. S'en fout. Ah. Non, tu vas pas me dire que l'autre... Que l'autre m'a déjà retrouvé là, la gonzesse. C'est pas possible. Pour le moment, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils nous ont rajouté des impériaux. C'est pas ici. Je peux le sentir. Même si ça n'a pas de sens. Je te le promets. Ah, ou alors l'autre va nous retrouver parce qu'elle a suivi les communications de Serré. Et il va falloir que j'aille sauver Serré. Des griffes de Trilia. Trilia. Je sais plus. T'approches surtout pas. BD. Tire-moi. Tire-moi avec tes papates. Oula. La force m'en veut. Oh oh. Je crois que je suis en train de geler.
J'ai l'incoming. Allez, grimpe, 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 grimpe. La fin du jeu. On est mort. Aie confiance. C'est la force qui m'aide. Aie confiance, mon enfant. C'est classe, c'est classe. J'ai les roubignoles collées aux genoux. Mon dieu. Papa, c'est toi? Ok. Oh, le violon, c'est beau. Jouez le violon, jouez le violon. Ok. Et oui. Est-ce que le pouvoir de s'obtenir dans la douleur, tu comprends? Vous qui du drama. Allez, vas-y, mon grand. D'accord, c'est le petit bout qui dépasse. Ok. C'est... Ça peut être interprété autrement, mais. Génial! Comme pour Datomir. Tout ça pour rien. Ouais. Eh ouais, le cristal t'a mal choisi. Non. Vous pourriez presque rajouter la voix des anges, les mecs. Hein. On paraît qu'il y a son maître qui va apparaître avec la force. Il va faire. Comment ça, mon padawan? L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ah non, Eno Cordova. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. T'avais raison. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. De l'apprentissage. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. BD1, le personnage le plus intéressant de tout le jeu. Comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire? Bah, c'est pas perdu, puisqu'on... Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. C'est un robot, faut arrêter, là. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. C'est un côté beau et mignon, mais honnêtement, c'est un tantinet stupide. Au revoir. Au revoir. Mon ami. Ouais, pas qu'il le considère comme un ami, mais c'est un robot. Enfin, je veux dire... La mémoire, elle va pas revenir parce que le robot devient ami avec un autre. À part s'il l'a programmé comme ça, évidemment. A priori, c'est pas le cas. Ouais, moi aussi, je crois en toi, BD. Et violon. Ouais, t'as raison. Il y a
Il reste une chance. De la super glue ? Il y a toujours une chance. Allez. A priori, c'est un minéral, donc je pense que si tu les connectes entre eux, ça devrait pas être perdu.